À ce qui paraît, ce stylo serait sans mine, sans encre, inépuisable et éternel. Vous y croyez-vous ? Il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit mail provenant d'un certain Trinity76. Il disait « Il existe un stylo éternel qui ne s'épuise pas. Peux-tu faire une vidéo dessus ?» Le voici. Il a un aspect plutôt futuriste. La mine, là, elle est fine, mais pas trop. Ça fait penser au stylo de tablette ou de DS. Bon, d'après le petit parchemin qui se cachait dans la boîte, la pointe de ce stylo serait dotée d'une matière métallique assez spéciale. Je cite... Le stylo Forever est composé d'éthergraphe, un métal breveté. Bon, apparemment, à l'époque, l'écriture avec des pointes métalliques était couramment utilisée, même au Moyen-Âge. Et c'est arrivé à son apogée à la Renaissance, puis peu à peu, la technique se fit remplacer par les crayons graphite qu'on connaît, et là, le produit est 100% artisanal. Bref, bizarrement, j'ai du mal à croire que si je pose le stylo là, ça va écrire quelque chose. J'ai l'impression de tenir un bout de métal tout à fait banal. Ok, on a la preuve. C'est surprenant. Est-ce que c'est gommable ? Ok, ça se gomme. Pas totalement, mais pour des croquis, c'est pas mal. Allez, on va les pousser à la bagarre. Critérium DS Eternal Pencil. Petit dégradé à gauche, Critérium gère la finesse, on connaît. Et je teste le petit dégradé à droite, on va voir si c'est ok. Pour tester, on va crayonner un œil réaliste, voir ce que ça donne. D'abord, au porte-mine, je lui fais des contours, puis je remplis l'intérieur en donnant subtilement des coups de mine. Je fais les cils après avoir bien avancé la soudure de l'œil. Pour notre stylo éternel, bon, le problème c'est qu'on s'amusera pas à trop gommer non plus. Donc, on y va prudemment sur les contours. C'est du one shot, mais pas trop quand même, t'es à moitié serein. Là, ça remplit bien, j'ai la sensation d'avoir un crayon gris mal taillé. Donc la prise en main est agréable, mais j'aurais aimé avoir une mine un peu plus fine quand même pour faire les détails. Mais bon, pas grave. Après, on peut augmenter l'intensité si on repasse par-dessus nos traits. Si on prend un peu de recul sur le dessin, ça a fait le taf. Ça ressemble un peu à un crayon gris au niveau du rendu. Et pour un dessin comme l'œil assez détaillé, c'est plutôt bien passé. J'ai pas perdu un doigt, ni troué le papier, donc je suis plutôt content, satisfait. Là, je vais dessiner un petit personnage style cartoon, Rick. Bon, le rendu n'aura pas de surprise au critérium, c'est assez précis et satisfaisant, on connaît. Et pour le stylo de l'infini, là, j'ai l'impression que ça passe plutôt bien, même si le rendu, lui, est un peu plus flou. Mais ça va, c'est light. Lui, je fais des tentacules en guise de cheveux, pas de coiffure en ce moment. Le test est bon, on peut dire que notre matériel est fonctionnel. Maintenant, coupons un visage en deux. Un faciès de One Punch Man. À gauche, le porte-mine, et à droite, le stylo éternel. Allez, go, on va faire ça vite avec des ombres en traits croisés. Mais avant, je vais faire le contour du visage et les éléments principaux. J'ai pas le droit d'utiliser le critérium à droite. On va voir si c'est harmonieux. Même de manière générale, faire un dessin juste avec un crayon ou un seul outil, c'est cool aussi. Bah, tu reviens un peu aux sources, souvent, qui nous ont fait aimer le dessin, les origines. Mais qui nous prouve que ce stylo est vraiment immortel? J'ai pas la preuve. Surtout que le papier laisse planer le doute avec cette phrase. Écrire presque indéfiniment. Presque, ça veut pas dire toujours. Donc je trouve déjà génial qu'on puisse crayonner sans problème avec un tel outil, mais est-il vraiment inépuisable? Donc si on regarde les articles sur internet et les descriptifs produits, on nous vante toujours le potentiel infini du matos. Exemple, un stylo sans encre qui écrit sans jamais nécessiter d'être ni taillé ni rechargé, un outil révolutionnaire. D'accord, on va vérifier. Je vais juste faire un test simple. Je vais remplir cette feuille avec le stylo Forever, en crayonnant que d'un côté de la mine. Comme ça, à la fin du remplissage, si la mine est intacte, je veux bien croire qu'il est éternel. Et si la pointe est taillée, plate ou abîmée, ça veut dire que l'embout se consomme. Et si elle se consomme, allez mon petit, tu peux le faire. Le vrai bruit est un peu horrible d'ailleurs, ça fait un peu laveur de carreaux. J'avance dans ma quête du remplissage, sans changer de position. Je fais pas de pause, le stylo chauffe, et je sais qu'avec un simple crayon gris, quelques allers-retours suffisent pour user la mine. Pour l'instant, je n'ai pas cette impression sous la main. La moitié de la feuille est comblée. Tant de mines de crayons seraient tombées, mais notre outil, lui, va-t-il résister à l'usure? Sera-t-il immaculé lorsque je le retournerai? Speak!
Bon, on dirait que le temps n'épargnera pas non plus notre stylo Forever. De la matière est partie, laissant une petite surface plate sur le côté. Sur le très long terme, on aurait une mine plate et inutilisable. Puis elle finirait par disparaître comme la banquise. Petite question, avec quoi voulez-vous que je dessine en commentaire? Qu'est-ce que vous voulez que je teste d'un peu innovant, d'un peu différent? Dites-moi, peut-être que je le choisirai pour une nouvelle vidéo. En tout cas, la prochaine, ce sera de la custom. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Bon dessin les amis, et que vos créances soient libres, comme l'art.